Bienvenue à cette présentation qui fait partie du cours sur la comptabilité de l'eau et la productivité de l'eau à l'aide de WAPOR. Le sujet du jour porte sur l'évaluation de la qualité de la base de données de WAPOR. Mon nom est Malos Mull et je travaille à IHEDELFT, Institut pour l'éducation sur l'eau. Cette présentation a été préparée par IHEDELFT dans le cadre du projet Utilisation de la télédétection pour soutenir les solutions de réduction des écarts de la productivité de l'eau agricole financée par le gouvernement néerlandais et dirigée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Aujourd'hui, je vais parler des éléments suivants en commençant par le développement de la base de données de WAPOR et les différentes versions qui ont conduit à l'actuelle base de données. Puis, je ferai un bref récapitulatif de l'ensemble de données de WAPOR et la définition de la productivité de l'eau, suivi d'une revue détaillée de trois couches de données de WAPOR, normément l'évapotranspiration, la production de biomasse et la production de l'eau. En 2017, la première version bêta de la base de données de WAPOR a été lancée en commençant avec les données du niveau continental à une résolution de 250 mètres au lancement du premier site pilote à une résolution de 30 mètres en novembre 2017. À la suite d'une évaluation de qualité interne par les partenaires du projet, la version 1.0 de WAPOR a été lancée en février 2017. Les rapports détaillés d'évaluation de la qualité informent davantage sur les améliorations apportées dans le développement de l'eau. Certaines améliorations majeures apportées à la base de données inclut les améliorations faites sur le produit de l'humidité du sol qui ont résulté en une augmentation de l'évapotranspiration et de la production de biomasse dans les zones irriguées. Une autre mise à jour a été que la version 1 utilisait une valeur fixe de la fraction de biomasse totale au-dessus du sol pour toutes les classes d'occupation de terre. La version 2 utilise maintenant la production totale de biomasse incluant celle dans le sol. La version 2 de WAPOR a officiellement été lancée le 17 juin 2019. Pendant un séminaire international sur les sécheresses en agriculture. La base de données de WAPOR comprend trois niveaux avec différentes résolutions spatiales. Le niveau 1 à 250 mètres de résolution est disponible pour le continent africain et la région du Moyen-Orient. Le niveau 2 à 100 mètres de résolution est disponible pour certains pays et bassins versants. Enfin, les données du niveau 3 sont disponibles pour quelques zones avec plus d'informations détaillées, incluant une carte des cultures. À tous les niveaux, les données sont disponibles au pas de temps décadaire, mensuel et annuel. Les couches principales qui sont disponibles à chaque niveau incluent la productivité en eau de la biomasse, l'évapotranspiration réelle et l'interception, la production primaire nette, la biomasse au-dessus du sol et la phénologie qui représente la saison de production. De plus, une classification de l'occupation des terres basée sur les données Copernicus est disponible. L'objectif principal de la base de données est d'évaluer la productivité de l'eau. Dans cette présentation, je me focalise sur la productivité biophysique de l'eau en termes de la quantité de culture par goutte d'eau. Cela est calculé dans la base de données de WAPOR comme étant la production de biomasse totale divisée par l'évapotranspiration qui est définie dans WAPOR comme productivité brute de l'eau ou divisée par la transpiration définie comme productivité nette de l'eau pour la saison de production. Depuis le lancement de la version 1 de WAPOR, plusieurs rapports et articles ont été produits, lesquels évaluent les différentes couches de la base de données. Le rapport d'évaluation de la qualité de WAPOR, publié par la FAO et IHEDELFT, fournit une évaluation complète de toutes les couches de la version 1 de WAPOR. Rashford et Verasinghe fournissent une évaluation détaillée de la couche d'évapotranspiration réelle en la comparant à d'autres télédétections et à des observations de. Dans cette présentation, je présenterai des captures de ces deux publications en me concentrant sur les couches importantes pour le calcul de la productivité de l'eau, à savoir la production de biomasse et l'évapotranspiration. À la fin, je discuterai de l'importance de la couche de la productivité de l'eau fournie par le portail de WAPOR. La première couche que nous allons regarder est la couche de l'évapotranspiration. À côté de WAPOR, il existe différents ensembles de données d'évapotranspiration à l'échelle mondiale. Une vue d'ensemble de l'évapotranspiration annuelle en 2009 est présentée dans cette diapo qui montre une large variabilité entre produits avec différentes résolutions spatiales et temporelles. Alors, comment sait-on quel produit est le meilleur?
Pour évaluer la couche d'évapotranspiration, on utilise le bilan hydrique comme repère pour évaluer la qualité. Nous avons mis en équation la pluie au niveau bassin moins le débit provenant de la base de données R, GLDC et l'évapotranspiration pour quelques. La comparaison a montré que tous les produits montrent une très forte corrélation d'environ 0,9 avec la plus forte déviation notée pour GLIM et MODIS supérieure à 25% alors que seul WAPOR et SSEBOK ont moins de 5% d'erreur à l'échelle annuelle. D'autres analyses ont été faites dans le bassin versant de Litanie au Liban qui initialement n'ont pas montré une bonne correspondance avec les débits observés et les données de télédétection. Cependant, en incluant le transfert entre bassins, les résultats sont beaucoup plus encourageants. Blatchford a comparé les données d'évapotranspiration de WAPOR avec des données de station et d'hypovariante et a montré une bonne correspondance sur la ligne 1 sur 1 avec une forte diversité. Cela pourrait être aussi lié à la résolution temporelle des différents entre données. La conclusion principale de la publication est que WAPOR a de manière générale de bonnes performances et est à la tête de sa classe. En plus, WAPOR a la résolution spatiale la plus élevée en comparaison aux autres produits d'évapotranspiration et cette donnée est fournie en réel. Une évaluation détaillée a montré que WAPOR surestime quand l'évapotranspiration est basse dans les zones irriguées. Il n'a pas de bonnes performances dans des conditions humides avec des valeurs élevées d'évapotranspiration. Plus d'informations peuvent être trouvées dans les publications mentionnées plus haut. La seconde couche que nous avons évaluée est la couche de la production de biomasse qui est dérivée de la production primaire nette. Il n'y a pas de mesure directe de la production de biomasse. La couche doit donc être évaluée en utilisant des informations de terrain pour calculer la production récoltable et fraîche. Ces informations incluent l'identification de la culture en plus de la localisation de la culture, le calendrier culturel, les paramètres culturaux tels que l'indice de récolte et la teneur en eau. Ceci est alors comparé au rendement observé. Un exemple de comparaison faite est un périmètre d'irrigation de la canne à sucre à Ongi en Éthiopie où la production de biomasse a été convertie en rendement. Avec des champs individuels ayant différentes saisons culturelles, le calcul a été utilisé en une saison de production fixe avec une durée de 18 mois et un indice de récolte de 1.0 et une teneur en eau de 0,59 qui a été obtenue à part des travaux de terrain par un étudiant de l'IH. Comme la base de données de WAPOR est basée sur des cultures de type 3, un facteur de conversion pour la canne à sucre, qui est une culture de T4, a été appliquée. Les résultats montrent que le rendement moyen du système est de 100 tonnes par hectare, ce qui est du même ordre que ce qui est rapporté par le gestionnaire direct. La large variation est aussi liée à la gamme de la longueur de la saison de production et le timing. D'autres analyses ont montré des résultats similaires en été. Il est ici présenté les résultats de deux cultures produites pendant deux différentes saisons, blé d'hiver et maïs d'été. Les valeurs sont très proches de celles obtenues de la littérature. Pour le maïs d'été, il y a des zones avec de très faibles rendements qui sont probablement des zones de jachère. La valeur moyenne est par conséquent très proche des valeurs trouvées dans la littérature. L'évaluation des couches de production de biomasse montre qu'en utilisant des facteurs de conversion standard, WAPOR est capable de simuler avec précision le rendement pour des cultures variées sous différents climats. Comme les paramètres sont tirés de la littérature, il n'est pas possible de fournir des informations sur comment les pressions stratégiques qui influencent l'indice de récolte et la teneur en eau affectent le rendement. Finalement, nous avons évalué la couche de la productivité de WAPOR. Pour pouvoir interpréter les couches, il est important de comprendre ce que représentent ces couches. Premièrement, la productivité de l'eau pour le niveau 1 fournit n'importe quelle productivité de l'eau, alors que pour les niveaux 2 et 3, la couche fournit la productivité saisonnière de l'eau. Pour les niveaux 2 et 3, à côté des incertitudes dérivées des couches de biomasse et d'évapotranspiration, la productivité de l'eau est influencée par la couche de la phénologie qui détermine la saison culturelle. La couche de la phénologie est basée sur le IVDN qui dépend fortement des images dans l'environnement nuageux. Le rapport d'évaluation de la qualité montre que cette couche a un faible niveau de précision et de meilleurs résultats sont obtenus en tant que saison culturelle. Ceci est la fin de la présentation.